Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la seule coopérative 100% française qui vous redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser une carte Everywish pour obtenir d'autres cartes cadeaux, en l'occurrence du H&M. Chez Emrys, il existe plusieurs solutions multi-enseignes. L'une des dernières est Everywish. Il s'agit d'une carte physique que tu peux directement utiliser chez de nombreux partenaires. Mais tu peux aussi utiliser le crédit de cette carte pour demander des e-cartes cadeaux pour d'autres enseignes. Ayant moi-même eu des difficultés avec ce processus, car le site d'Everywish manque de clarté, je vous fais une vidéo. Dans un premier temps, on va chez Emrys et on commande une carte Everywish. Donc pour ce faire, je clique sur achat, puis sur boutique Emrys. Je vais chercher une carte Everywish qui doit se situer ici. C'est une carte physique, donc elle viendra par la poste. Elle coûte 100 € et vous rapporte 2 Emrys Coins. Alors comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur le nouveau site, les 2 Emrys Coins arriveront sur votre compte au bout de 14 jours, qui est le délai légal de rétractation. Donc il y a simplement marqué Everywish, c'est une carte bleue avec des étoiles. De l'autre côté, donc vous avez la bande magnétique pour pouvoir l'utiliser en magasin. Vous avez le montant qui est sur la carte quand vous l'achetez, donc de base 100 €, peut-être qu'il y aura d'autres montants à l'avenir. La date d'expiration de la carte, le numéro de code barre, le numéro de la carte, et ici un numéro que vous deviez gratter. Donc bon, ici je cache pas ces informations parce que tout simplement vous allez voir dans la suite de la vidéo, je vais vider cette carte. Donc une fois que vous avez commandé cette carte et qu'elle vient par la poste, vous allez sur le site d'Everywish. Donc ici, donc everywish.fr, vous pouvez vous créer un compte. Donc en l'occurrence ici, on voit que j'ai un compte. Ce site, en fait, tout ce qu'il sert, c'est de vitrine pour vous dire où est-ce qu'on peut dépenser sa carte, mais aussi pour suivre le crédit restant sur les cartes. Donc là, ici, on voit que j'ai enregistré deux cartes. Une première ici, avec un solde qui reste à 0 € et que j'ai utilisé pour deux achats de 50 €. Donc bien sûr, les cartes Everywish, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'intégralité en une fois. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Et là, on voit qu'il me reste une deuxième carte sur laquelle il me reste 20,30 €. Et je vais utiliser ces 20,30 € pour faire un achat chez H&M. Donc si on va ici sur la rubrique « Où dépenser », on se rend compte qu'on peut utiliser la carte chez différentes enseignes. Bref, il y a pas mal de choix. Donc je vais descendre doucement sur cette page pour vous permettre de voir les différents partenaires qui y sont, parce que j'ai pas envie de tous les énumérer. En l'occurrence, on voit qu'il n'y avait pas H&M. Donc pour avoir du H&M, il faut transformer sa carte cadeau en une autre e-carte cadeau. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout d'un coup. Vous pouvez très bien avoir une carte Everywish de 100 € et demander 20 € chez une autre enseigne. Ça fait qu'il vous restera 80 € sur votre carte Everywish et vous aurez 20 € sous une autre forme. Ici, je dis transformer votre carte cadeau. Sur la partie là, il demande dépenser en ligne ou en magasin. En l'occurrence, moi, je fais ici dépenser en ligne parce que c'est la procédure pour convertir du crédit en une autre e-card. De toute façon, les e-cards, en général, vous pouvez les imprimer et les magasins devraient, en toute logique, les accepter. Donc là, on a la liste des différentes e-cards qu'on peut créer. Donc je descends également comme avant pour montrer les différents choix. Bon, il y en a un peu moins, mais ça permet justement de pouvoir dépenser cette carte ailleurs que dans la liste qui accepte directement. Donc ici, en l'occurrence, du H&M. Donc je lui dis « Ajouter au panier ». Il me demande qu'est-ce que je veux. On avait vu qu'il me restait 20,30 € sur la carte Everywish. Alors il faut savoir que, bien sûr, ici je vais prendre 10 € et je vais en prendre 2, donc ça va me faire 20 €. Il restera 30 centimes sur la carte Everywish. Ces 30 centimes ne sont pas perdus. Vous pouvez très bien aller dans un magasin qui accepte la carte Everywish et vider le solde. Donc ici, je vais ajouter au panier. Je vais aller dans mon panier. Je vais cliquer sur commander. Donc le site ne me reconnaît pas, donc je m'identifie. J'ai dû créer un compte sur le site everywish.fr et sur cadeau-everywish.fr parce que les deux n'utilisent pas la même base de données. C'est un peu bête de faire ça parce que même chez Emrys, sur l'ancien site où il y avait deux sites différents, on n'avait pas besoin de créer deux comptes. Et chez Everywish, il faut créer deux comptes. Un compte pour suivre le contenu des cartes, donc ici celle-ci, et l'autre pour vraiment échanger le crédit en autre chose. Donc ici, je lui dis continuer.
Donc c'était simplement l'adresse de facturation. Donc là, moyen de paiement, carte EveryWish, continuer. Validation de commande. Donc là, il précise bien, je veux deux e-cartes cadeaux H&M d'une valeur de 10 euros. Donc j'en prends deux, ça coûte 20 euros. Et je lui dis, passez la commande. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu, parce qu'on tombe du coup sur un site de paiement où il y a marqué qu'il accepte du Visa et du Mastercard. Bon, j'ignore si ça accepte vraiment les cartes bancaires. Mais ici, il ne faut pas vous poser de questions. Vous rentrez simplement le numéro de la carte EveryWish. Donc, ce n'est pas le numéro du code barre qu'ils veulent. Donc, ici, c'est le 4983. De toute façon, je vous le montre parce que la carte, elle sera vidée. Donc, là, j'ai pas besoin de le cacher. Elle expire. Donc, la date d'expiration est indiquée sur la carte. Et au niveau du cryptogramme, donc, c'est la partie qui est située sous CVV. Donc, c'est la partie que vous avez dû gratter sur la carte. Donc, ici, chez moi, c'est 338. Je peux lui payer la carte. Et on voit que le paiement a été accepté. Donc j'ai pas sorti la carte bancaire, j'ai uniquement payé avec ma carte physique EveryWish. Donc ici on voit directement voir mes e-cartes cadeaux. Donc quand je clique dessus, je peux télécharger mes e-cartes cadeaux. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple de trouver un partenaire sur lequel on peut gagner du crédit d'achat en passant par Emrys. Si toi aussi tu veux rejoindre cette belle coopérative afin que tes courses alimentaires, ton essence, tes habits, ton électroménager, bref, tes achats divers et variés te rapportent du pouvoir d'achat et qu'à terme, tes commandes sont payées avec du crédit d'achat, alors n'hésite plus, clique sur le lien dans la description de la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper concernant ce bon plan. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si besoin, je peux aussi arranger un appel téléphonique. Sache que tu rejoindras aussi un groupe Facebook dans lequel tu trouveras toujours quelqu'un qui répondra à tes questions. Nous sommes une grande équipe dynamique où l'entraide est omniprésente. Bref, tu ne seras jamais seul. Allez, salut!